Salut à tous, salut à toutes, c'est DR436 pour un nouveau Let's Play sur Hand of Fate, un jeu qui est, pour ainsi dire, inclassable. Il est sorti à la mi-février de cette année. Il est axé de action, RPG, roguelike et jeu de cartes. Alors ça peut vous paraître bizarre si vous n'avez rien lu à ce sujet-là. Je crois que le plus simple, c'est que vous voyez, qu'on voit ensemble à quoi ça ressemble. Je connais un petit peu le jeu parce que je l'ai avancé à peu près aux trois quarts sur console, sur Xbox One au moment de sa sortie. Et puis on va se laisser la fin ensemble comme découverte. Ça sera un tout petit peu plus simple pour moi comme ça pour vous expliquer ce qu'il en est, bien que j'ai pas retouché au jeu depuis quasiment un mois et demi. Alors, c'est parti pour la petite intro. Oui, il faut que j'appuie pour que ça avance, effectivement. Ça, c'est le maître du jeu. Vous allez voir, c'est un mec. C'est un petit enculé. C'est un petit enculé. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. The game begins. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Alors, on commence tout de suite là à sec. Alors, on va faire ce qu'il nous dit. Here is the first member of my court, Ouais. the Jack of Donc ça, Dust. c'est le boss qu'il va falloir 12 se in all taper. must fall before you may Oui. challenge me. Ok. C'est le tout premier. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Si je m'en souviens. Let the cards fall where they may. Donc, We begin. le maître du jeu nous pose des cartes face cachée, et puis là vous pouvez voir qu'on a notre petite figurine qui représente notre progression. Donc c'est une sorte de donjon en fait, c'est d'où l'aspect roguelike avec comment dire, des mondes, enfin, ou des plateformes, ou comme vous voulez, qui arrivent aléatoirement. Donc en bas à gauche, j'ai des cartes qui représentent ma vie. Donc mes points de vie que je risque de perdre en fonction des rencontres que je vais faire et puis des phases d'action. La nourriture, pour chaque petite carte où j'avance, je perds un point de nourriture. L'or que je peux regagner et puis que je peux gagner en fait en faisant différentes missions pour acheter du stuff en plus. Et puis mes armes. On verra l'inventaire petit à petit. Donc là j'ai pas vraiment de choix, je dois avancer. Donc je rencontre la demoiselle. I'm not surprised to find that this encounter remains Ouais. vivid in your memories. Donc elle, c'est une carte qui est plutôt bénéfique. Donc je rencontre une petite elfette qui vient me dire bonjour, puis en général elle me demande ce que je veux. Une longue vie pour des points de vie, des provisions ou de l'or. J'ai 9, donc c'est suffisant pour le début. Oh, allez, un petit peu d'or, on sait jamais. Donc sachez au fait que ça joue aussi à la manette en fait. J'ai branché ma manette Xbox One dessus et puis c'est tout à fait jouable, c'est adapté à la console. Alors, 3 cartes de gain pour moi. 25 pièces d'or. I'm sure you are grateful for that. 15, c'est pas mal. Ok. Donc là, tranquillou, Monsieur Lionel. Ça, c'est aussi I was never a sympa. fan of Bon, illusion c'est très gentil au début du jeu, games. hein, il faut bien l'admettre. Here, I'll make an exception. Un vieil homme étrange s'assoit à côté de vous, il vous donne une tape douloureuse sur l'épaule avec son bâton en bois pour demander votre attention. C'est un gobelin déguisé en nain. Alors, et le petit truc, il fallait que je lui demande ce dont il a besoin. Ouais. Donc là, un bouclier qui se matérialise à mes pieds, voilà. Parce que plus loin dans le jeu, il peut nous faucher des éléments qui sont parfois excellents, enfin de notre stuff, pour nous donner de la merde, alors c'est pas forcément toujours positif. Mais au début, en général, quand on lui demande ce dont il a besoin, il nous file un bouclier. Voilà. Alors, oui, les boucliers, c'est utile en jeu pour, bah, évidemment, pour bloquer et renvoyer notamment des flèches. Ah ben, il y a 2-3 bugs d'affichage. Hein. Alors je peux utiliser avec la touche Y. Parfait. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. Alors mon inventaire, comment j'y accède déjà? You can Voilà. always review your cards Donc here. au passage, là il y a la hache rouillée qui fait 22 dégâts. C'est l'arme de base, une armure toute pourrie.
le bouclier que je viens d'acquérir et puis j'ai rien d'autre. Ok. Alors on va sortir de là. On continue d'avancer. That first moment, that glinting weapon, the call to action, ouais. To adventure. Ok. Je vais descendre pour prendre l'arme. Voilà, alors là, il faut bien suivre les cartes et puis pas tomber sur la tête de mort. Donc elle est tout à droite. Je pense que là, c'est pas une tête de mort. Voilà. Donc faut vraiment être attentif. Là, c'est une sorte de jeu de bonneteau. Donc là, je récupère une. Et je peux piocher une carte arme. Donc au passage, là, vous voyez qu'en bas à droite, j'ai deux stacks de cartes là où je peux piocher des armes. Et puis il y a aussi des cartes avec des avantages qu'on peut avoir. Donc là, en réussissant ce petit jeu de bonneteau là, bah, j'ai chopé une hache pourrie. Oh là là, c'est la hache de base. Mais au fur et à mesure qu'on débloque des cartes, eh ben, on pourra améliorer notre deck. Ça, c'est l'aspect gestion de deck, de cartes du jeu. Et voilà, donc là, le premier petit niveau est passé. C'était vraiment le tour de chauffe pour prendre connaissance avec le jeu. Alors, ah, il est déjà là-bas le boss. Moi, D'habitude, je rencontre quand même plus de petits mobs à buter. Mais enfin bon. Alors là, il y a un mage ambulant. Ça, on peut acheter 2-3 trucs. Vous voyez que ma nourriture est retombée à 5 là. Et dès que j'ai plus de nourriture, bah, chaque carte, bah, je perdrai 10% de vie à chaque carte de progression. Donc dans le petit labyrinthe là. Là voilà. Alors je peux acheter des objets. Là c'est un bois d'herne. Au bois d'herne, les reptiliens subissent le double des dégâts par les attaques du joueur. Ouais. Attaque. Appuyer sur on sait pas trop quoi pour attaquer plus vite avec chaque coup réussi. Ok, intéressant. Anneau de dragon. Tout ça, ça vaut entre 20 et 40. Là, je peux vendre des trucs. Mais normalement, j'ai deux. Ah non, je croyais que j'avais deux haches. J'ai pas compris. Bon, tant pis. J'ai acheté peut-être un peu de bouffe ou juste un. Ouais. Ah, j'aurais peut-être pas dû parce que. Ah. Est-ce que j'ai assez maintenant pour tout acheter là? Ah ouais, ça c'est sympa. Quand on appuie sur... Ah, je me souviens même plus des touches de combat, mais c'est une attaque spéciale. On balance des sortes de petits couteaux de lancer un peu partout. Allez, on va choper ça, c'est marrant. De ce que je me souviens. Ok. Oui. On va se casser. But it takes time to ready them. Gorge de Mordom. Voilà. Voilà. Là, il y a deux petits mobs à buter. Donc, j'ai mes armes de base pour l'instant. Alors, comment ça marche? Ok. Tac, tac, tac. Ah oui, les roulades, ok. Les coups de bouclier. Ah, je peux lui donner des coups quand il est à terre. Voilà. Bon, ça c'est très très facile au début. Ça va se corser, vous allez voir. Donc là, vous avez vu à peu près l'essentiel des aspects du jeu. Bon, voilà, on pioche des cartes. Les cartes, on peut en obtenir en progressant dans le jeu, puis améliorer ce qu'on peut piocher. Et puis... il faut gérer les points de vie, la nourriture, son argent. Il y aura ensuite des malédictions et des bénédictions. Et là, j'ai gagné... Voilà, une épée. Donc... Ok, plus des aliments. Encore des aliments. Bon, j'en ai plus qu'assez. Hein. Théoriquement, le boss, il est dans deux cartes. Donc... Voilà, l'épée, je l'avais dit de l'équiper automatiquement. Ok. Une embuscade. What did you think would happen with a card called
ambush, eh? Donc là, il y a trois mecs. Et ces cartes, embuscades et compagnie, on peut aussi les changer en fonction de ce qu'on débloquera, ouais, au fur et à mesure. Bon. Allez, oula, non c'est bon. Un coup de bouclier dans ta gueule et dans l'autre. Et voilà Jean-Paul, dans ta gueule. Alors j'ai lu que c'était un système de combat qui ressemblait pas mal à Batman Sufferer. Bon, j'y ai jamais joué. Alors, qu'est-ce que... En cherchant la zone pour trouver des biens à récupérer, vous réalisez que l'un de vos adversaires fait juste semblant d'être mort. on les tue. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais eu ça. Alors, là, celle-ci, c'est une bonne. Ok. Bon, bah cool. Bon, c'est très facile, hein, je vous l'accorde pour l'instant. Ah mais j'ai... Oh. J'obtiens que les cartes de base là. Bah oui, c'est normal, on est au tout début. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on passe un niveau, qu'on a eu le boss, on recommence de zéro au niveau de l'équipement. Hein. Voilà, le Valet des Sables, premier boss. Vous avez atteint mon premier champion. Un bon homme, driven to madness by a war that took all from him. Voilà. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron, I forge my tools. Now we see your metal. Okay. Je trouve qu'il a un certain charisme, ce maître du jeu là. Donc ici, on va pouvoir débloquer un jeton et les jetons, ça nous permet d'obtenir des nouvelles cartes en fait. Donc premier petit boss, on va essayer de pas fail. Ça devrait aller normalement. Donc il y a le boss plus ces quatre mobs, les mêmes qu'on a eu jusqu'à maintenant. Voilà. Il est un peu pédobert, je trouve. Hop là, un petit coup de bouclier. Alors quand ils deviennent tout rouges, les boss, il faut essayer d'éviter de se mettre vers eux parce qu'ils font des sortes d'attaques imparables. Oula, faut que je me casse. Ah, ça va. Bon, il m'a fait que 7 points de vie, il est pas très méchant. Ah, vous voyez, je peux rien faire quand il y a un rouge. Casse-toi. Voilà. Comme papa dans maman. Down into the worms with him. Tu m'étonnes. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. Plus qu'11. Je sais pas combien de temps va durer ce let's play parce que. Few fall at the first hurdle, none reach the last. Ouais. We have wagered, and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. Ouais. Allez, vas-y, mec. So balance must be retained. Donc Valet de crâne, ça c'est des boss. Hall du roi mort, c'est des endroits, la paysanne du coin pour les rencontres. Le choix du diable, ah ouais, ça c'est vraiment pénible dans mon souvenir. Capitaine des gardes, ok. Ça c'est des cartes. Voilà, équipement, l'armure moyenne, chaîne de rage, contrat de mercenaire. Ok, bon, on verra ça au fur et à mesure.
Et ça doit être des cartes récompense. Non, c'est des... Ah oui, des dalles de piège, c'est un labyrinthe où on peut gagner du fric, se faire rare à la fin. Et les gobelins, ah ils sont tellement chiants les gobelins, vous allez vite voir ce que c'est. Shall we deal again? Mais oui, redistribue-moi ça. Ah, good. Now you understand the basics, we can begin in earnest. Ok. Donc en fait, ça c'était juste le prologue, hein, une sorte de tuto. Welcome to the cabinet, home of the members of my court. Voilà, donc là, ça c'était le... Donc il y a 4... Oui, il y a 12, donc on a le premier boss de 12, c'était le valet de sable, le tuto en fait. Puis là, il y a le valet de crâne, qui est le deuxième boss. Et puis ensuite, ça c'est une première rangée, et je crois qu'il y a un super boss à la fin de chaque, je m'en souviens plus tellement. Enfin, vous voyez, ça c'est la progression. On va au valet de crâne. Épreuve, 3 fois 2 crâne, 3 fois provision... D'accord. Oui, alors construire le deck. On va voir à quoi ça ressemble. Alors oui, moi ce que je faisais c'est que je mettais ce qui était conseillé. Il est pas trop con au niveau de ses choix. Et puis ensuite je vérifiais un petit peu ce qu'il en était. Donc ça c'est ce que j'ai dans mes réserves de cartes. Donc en général on vire les cartes de merde pour rajouter les nouvelles. Parce que là on doit en avoir 12, hein, ni plus ni moins. Donc dans ce que je peux piocher, j'ai mesure extrême, c'est quoi? C'est une sorte de marteau de guerre. Donc les nouvelles cartes, on sait seulement ce qu'elles font au moment où on les pioche. Donc je pense que c'est meilleur que que l'épée et puis la hache que j'avais déjà. Il y a ce bouclier, ouais, bah voilà, il y a toutes les nouvelles qui sont ici. Ok, et puis le Damoclès, c'est donc ce que j'avais gagné. C'était déjà lequel? Ah, je sais plus, pour déclencher les attaques spéciales. Bon, on verra bien. D'ailleurs, avant, j'ai oublié de le faire. Je crois qu'elle était disponible. Et puis là, ça, c'est les rencontres. Voilà, la paysanne du coin. Ça, c'est tout ça, c'est nouveau. L'embuscade sur laquelle on est tombé tout à l'heure. Ok, la demoiselle, monsieur Lionel. Et puis là, je peux pas les retirer pour l'instant, sauf erreur. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Quand il y a un cadenas dessus, il y a des conditions en fait pour pouvoir... Voilà, il faudra que j'élimine un boss pour pouvoir sortir ces cartes-là, pour pouvoir en rajouter des nouvelles. Mais par exemple, l'embuscade, on a vu à quoi ça ressemblait. Donc je peux retirer la carte et puis à la place mettre cette nouvelle rencontre, la rivière. Ce d'autant plus que, comme je ne l'ai pas encore fait, vous voyez en bas, il y a un petit sigle jeton. Donc ça me permettra de débloquer une nouvelle carte si je réussis cette épreuve. Donc voilà, vous voyez en gros à quoi ça ressemble. Le deck est construit. Et puis on peut se lancer. I will add my own cards to the deck. How boring life would be without a little spice. Ok. Là, il remélange toutes les cartes. You play for life and death. Prepare yourself. Ah voilà, bah. J'ai vraiment du bol. Mais je vous promets qu'après, c'est pas aussi facile. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on va lui demander? Ah, des provisions, tiens, on sait jamais. Ça peut être très utile au bout d'un moment, comme ça. Avec 17 de nourriture, j'aurais plus à m'en préoccuper. Des fois, il y a des gens qui demandent la nourriture en échange d'autres choses. On verra si c'est un bon choix. Eh ben décidément, c'est pas très varié. Encore notre monsieur Lionel, donc lui demander ce dont il a besoin. Tac, et voilà, comme ça, on a notre bouclier. Capitaine des gardes. I always thought it was best to avoid the problems of others. De vous précipiter trouver un guerrier encerclé des morts vivants. Je ne... Bon. Ben, on va y aller. Inconnu, appelle-t-il. Prenez ma massue et venez à bout de ces atrocités. Ok, go. 27 de dégâts. Ah, cool. Hein. C'est vrai. Les armes sacrées, ça fait peur aux morts vivants. Oui, je veux équiper la massue.
Is that what you're going to do? Excusez-moi, je suis un petit peu endormi là, j'ai pas beaucoup dormi, hein, justement. J'ai dû dormir à peu près 7 ou 8 heures en 2 jours, donc j'ai ma barre de vie qui est à 10% là, je crois. Oula. Ça, c'est du chips, c'est mort vivant. Oula, je fais un peu le gland. Ah, ils m'ont contré les deux là. Oh, mais c'est pas vrai. Ah voilà. Ah, j'ai bien mangé 30 points de vie dans ma gueule pour 4 morts vivantes. Je vais vous dire que ça va pas être permis très longtemps de faire ce genre de move tout pourri. Bon, quel beau massacre. Je peux garder la massue. Voilà. Ok, bah, il est venu vérifier, il en a eu pour son fric. Hein. Ouais, j'ai gagné un jeton de carte, c'est le principal, plus une nouvelle arme. Donc les escaliers, on peut quitter. On peut faire demi-tour parfois parce qu'il y a plus de cartes et puis on va aller explorer, voir si on peut gagner quelque chose en plus ou alors passer au niveau suivant. Ouais, d'accord. Il aime bien teaser ce petit salopard. Bon, le canyon, vous connaissez déjà, c'est pour choper une arme. On se concentre. Ouais. Même si j'ai déjà des armes, ça me permettra de les revendre. Donc moi j'en fixe deux, les deux de gauche, et c'est celle du dessus qui est retournée là. Voilà. Après il y aura des succès critiques, des défaites critiques, et ça peut être assez pénible de se planter. Là c'est facile parce qu'il y a 3 cartes sur 4 qui sont positives, mais des fois c'est une seule. Alors, piocher une carte arme. L'épée on s'en fout un peu. Je vais pas l'équiper, non. La massue, elle est... Alors là, on a le choix. À droite ou en haut. Allez, on va continuer... Enfin, droite, tout droit. Le bohémien. Donc ça, c'est pour se stuffer. Mais j'ai pas d'or. J'ai pas d'or. Ah bah, je peux vendre, par contre, des objets. Et puis, on va vendre l'épée. Mais ça va me rapporter 4. Donc... Je crois que c'est tout ce qu'on va faire. Des aliments, j'en ai assez. Oui, on se casse. Donc vous voyez, c'est vraiment un mélange assez particulier d'action, de jeux de cartes, de hasard. Je trouve que ça fait son charme. Bah, là, pour le coup, on va juste faire un petit demi-tour. Vous remarquerez que ça nous bouffait deux de nourriture, un pour aller et un autre pour revenir. Je fais demi-tour, on va finir d'explorer, on va voir qu'est-ce qui se... Ah, bon, il y a des dalles de piège, pas très compliqué. Mais dans mon étage, je sais pas si je vais pas me prendre quelques points de dégâts. Vous remarquez que je me refais de la vie aussi, à chaque fois que j'avance, c'est 10 points par carte progressée. Oui, allez, on va... Donc si j'arrive au bout du dédale de piège, j'aurai en plus un jeton carte en plus. Alors. Now we begin to raise the stakes. Bon. Ah ok, facile. The arena itself will fight against you. Beware of my traps. Ah mais quel con. Je croyais... Ah bah vous voyez. D'accord. Hop là. Mais non. Ouf. Mais qu'est-ce que je suis mauvais. C'est une horreur. Ah oui, là il y a des petits trucs au sol encore. Non. Oh. Ah voilà. Je me suis pris 30 points dans ma putain de face pour pas grand chose. Je suis vraiment... J'aurais peut-être pas dû faire ce premier let's play là tout de suite maintenant.
Bon, ça va, 15 points de vie. On est au début. Ça devrait pas porter à trop de conséquences. Wow. On va dire que le résultat net était plutôt positif. Surtout que là, bah, je reviens. Et je reviens à 85. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas gagné 10? Bizarre. Alors la rivière. Donc ah oui, il faut essayer de faire la. Ah ben, je crois que c'est celle-ci la réussite majeure. Oui, enfin la grande réussite. Votre armure légère vous permet de traverser facilement, vous plonger pour récupérer des pierres brillantes au fond de la rivière, les vendre en échange de quelques pièces d'or. Bon, cool. Oh, ça m'en fait même beaucoup de pièces d'or. Putain! Ah non, je croyais qu'il y en avait plus. C'est juste 25. Ouais, non. Ridicule. Ridicule. Voilà, encore une nouvelle carte. En gros, on se chope des guerriers des sables. Allez, venez là. Merde. Hop. Coup de bouclier, puis on se le finit par terre. Ah ouais, un bon coup de masse dans le thorax, en général ça calme. Voilà, bon bah voilà, finalement les aliments, j'en aurais eu vraiment assez. Le choix du diable. Ouais, c'est vrai, tu sais jamais sur quoi tomber. Du genre... Ah voilà. Il te dit de choisir ton ennemi, puis par exemple, tu vas dire, bah je vais prendre les deux, parce que c'est mieux que de tomber contre 4, et puis en fait, il va faire ce qu'il veut, quoi. Donc, rien que pour déconner, je dis, je veux eux. Ah, bah pour le coup... Il a pas dit de mensonge, donc je tombe sur les deux plus faibles. Sympa. Mais c'est loin d'être le cas, hein, dans mon souvenir. Il fait vraiment ce qu'il veut. Par contre, ouais, alors là, si je gagne, normalement je devrais. On va débloquer une carte et puis peut-être d'autres bonus. En plus, c'est des morts-vivants. J'ai ma masse sacrée qui leur fait peur. Ok, bon. Trois cartes gain. De la bouffe, bah, je sais plus quoi en foutre moi de ça. Équipement. Ouais, bon, bouclier, j'ai déjà. Il est déjà équipé. Ok, merci Jean-Paul. Boutique. Donc j'ai 59 pièces d'or. On va voir ce qu'il nous propose. Du bon gros bouclier. Tout soin que le joueur reçoit est doublé. Mesure extrême. 32 de dégâts. Et puis c'est une rencontre sur 3 ne consomme pas d'aliments. Ouais. Mais ça, je suis curieux de voir ce que ça fait. Ouais, oui, c'est meilleur que ce que j'ai. Allez, hop. Mesure extrême. Et puis voilà. Soigner, j'ai pas besoin. Et normalement, c'est le boss le prochain. Si c'est pas le cas, bah, on s'arrêtera là. Pour aujourd'hui. Ouais, le valet de crâne. Ça va être un tout petit peu plus méchant là normalement. Il a 4 mobs avec lui. Ouh, méchant.
Je me demande si j'aurais pas dû garder ma masse sacrée là. Ah, puis là il m'a bien bloqué pour commencer. Ah, ouais, alors eux, ceux à distance, j'aime bien me les faire tout de suite parce que sinon ils font chier, mais c'est pas permis. Ah, le con. Ah là je peux rien lui faire quand il est comme ça, c'est vrai. Bon, ça progresse. Ah puis il est... C'est vrai que ce con il les régénère. C'est ça l'histoire. Je peux vraiment rien lui faire quand il est comme ça. Ouh, Cassos! Ah! Ouais, on va lui en foutre dans sa... Ah, il est déjà mort, je crois. Il ne reste plus qu'à buter lui. Ouais, c'est bon. Ah oui, je crois que je dois récupérer le petit truc qui est apparu là. Voilà. Et c'est fini. Bon. Ça fera une bonne introduction là. Passer le niveau tuto et le tout premier niveau. Ah, well done. Tiens, il est well tellement faux cul quand il dit ça. Je trouve. Ouais, c'est ça. Il devient de plus en plus méchant et rigole un peu au début et puis après. Bon, des armes en plus, on verra ça au fur et à mesure. Coiffe de charognard. Ouais, je passe un peu vite là, ça vaut pas la peine. Paris du diable, ok, des rencontres, des armes en plus. Un boss, ah oui, la dame des sables. Et parce qu'après on peut faire des rencontres, au lieu que ce soit des mobs, c'est d'anciens boss. Alors c'est quand ils apparaissent à 2 ou 3, c'est beaucoup moins drôle. Et l'équipement en plus, bah, y a pas mal de choses. Certains que j'ai jamais vu d'ailleurs. Ok, et ben voilà, c'est terminé pour ce premier épisode Let's Play de End of Fate. J'espère que vous avez apprécié. Et puis bah, laissez un petit commentaire, un j'aime. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, journée, etc. C'était DRK36. À très bientôt. Ciao !